أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى Le révélation du Coran Majid, c'est déjà fini pour notre dars passé. Et aujourd'hui, on prend autre chose pour le Coran Majid. Si on regarde le ayat dans le Coran Majid, ou les surates dans le Coran Majid. Il y a des différences entre le ayat et les surates. Ces différence là c'est clair pour tous les musulmans. Mais le bas, le parole, c'est que pourquoi Allah Ta'ala quelquefois, il envoie le ayat, deux, trois ayats, quelquefois, il envoie le surat complet ça c'est parole entre tous les musulmans et ça aussi c'est maslahate ilahi même allah aujourd'hui par exemple il envoie deux trois ayats mais quand il complète cette ayat là la prochaine fois il va dire au prophète ya Rasulallah, le trois ayat là ou les dix ayat là il faut compléter avec le ayat que je parlais avec vous dans trois jours passés, par exemple. Tout ça, il faut ma'rifat. Tout ça, il faut hefz. Il faut caractère bien. Rasul Khoda, Allah, il a créé Rasul Khoda, c'est complet. Parce que si ce Rasul Khoda, ce c'est pas complet, c'est difficile pour savoir tout ce que taala il envoie. Et rêve ce Coran Majid... Pour apprendre par cœur le Coran Majid... Ce c'est pas facile... C'est difficile ça... Et je vous le disais avant... Que le Khoda... Avant la de révélation... deuxième révélation du Coran Majid... Le Khoda... Il savait tous les ayats... Et tous les surahs... Tous les ayats... Et tous les surahs... Et le alayhi wa, alayhi wa sallam, Les messagers de Dieu... Tout le temps... يُلْرِبَّتُ الْأَيَّاتِ إلَى السُّورَاتِ، مَعَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَدِيْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لتعجل بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرآنَ سَسِيْ، آياتِ قُرآنِي. pourquoi يا رسول الله تُرِبَّتْ طُلْتَانَ الْأَيَّاتِ إلَى السورة الْأَيَّاتِ إلَى السُّورَاتِ Ça, c'est nous, à nous. Allah Ta wa a dit c'est nous qui gardons les ayats, c'est nous qui gardons les sourates. Ne t'inquiète pas. On va laisser ça dans votre cœur, ya Ça reste ça dans votre cœur. La tu bihi lisanak li, li ta'ajala bihi. Inna alayna jama'ahu wa qur'ana. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam avant tout il savait le coran avant que allah il envoie le coran par étape et ça je vous le disais avant que mois de ramadan la nuit de qadr allah envoyait il a tout le coran au cœur de rasoul de khuda mais par étape c'était pas mois de ramadan par étape ça commençait c'est commencé dans le mois de Rajab. C'est pour cela, quelquefois, c'est trouble ça entre musulmans, entre mouhmenines, entre musulmines, que est-ce que le Coran Imajid, Allah, il a envoyé la révélation du Coran Imajid, est-ce que dans le mois de Ramadan, ou dans le mois de Rajab, ça aussi, on a parlé de ça, que le Coran, tout le Coran, Allah il a envoyé dans le mois de Ramadan mais par étape dans le mois de Rajab. Ça, c'est clair aussi pour nous. Mais le Coran, dans notre main maintenant, qui a fait ce Coran-là? Jam et Coran maintenant. Qui a réuni le Coran maintenant? Bon, ça c'est... Il n'y a pas doute que presque les sahaba... Comme le premier Khalifa et le deuxième Khalifa, ils ont fait aussi le Coran et Majid. Mais c'était pas clair pour tout le monde. Pour les Arabes, oui. Mais pour tout le monde, non. Parce que le Coran et Majid, c'est difficile. Même l'écriture, écriture, ça, c'est c'est pas une écriture seulement. Elle a beaucoup d'écritures. Le Coran. Que le premier califat il a fait, c'était pas clair pour tout le monde. Pour les Arabes c'est clair, mais pour quelqu'un d'autre c'était pas clair. C'est pour cela, c'était pas connu cette Coran là. Mais le Coran dans nos mains maintenant, le Coran que on voit, c'est partagé entre tous les musulmans maintenant. C'est le Coran de Osman avec dix personnes d'autres. Ils ont fait cette coran là, mais bon ça c'est entre tous les musulmans on a pris le coran là, on a accepté aussi le coran là, mais on dit toujours nous sommes chiites. On dit que coran Hazrat Amirul courant coran Ali alayhi salam, insha Allah, ça vient cette Coran là. Quran Amirul Mouminen à la main de notre Imam Zaman. On ne sait pas cette Coran là comment. Est-ce que les ayats ou les sourates comme les ayats et les sourates maintenant ou autre façon de parler par exemple ou c'est comment. Ça c'est c'est pas clair pour nous mais inshallah akhiruz zaman et ma qui va amener cette Coran-là. Mais pour le moment, entre tous les musulmans, le Coran à notre main maintenant, il n'y a pas de ertelaf, il y a pas de doute dedans que les ayat c'est vrai et les surat c'est vrai. Mais ce on parle aujourd'hui, le ayat, ou les surat plutôt, les surat qui étaient dans le Coran Imajid, ce n'est pas. Le premier surat et le deuxième surat, par exemple, le troisième surat, c'est pas normal, cette tartib. Cela veut dire, le premier surat, c'est clair, que sourate Fatiha, ça c'est le premier surat complet. Allah, il a envoyé cette surat-là, commencement jusqu'à la fin. Ça c'est clair. Mais est-ce que surat Bakara et le deuxième surat qu'on voit après suri Fatiha, le surat Fatiha, c'est les surat Baqarah Est-ce que c'est ça le deuxième surat qu'Allah, il l'a envoyé complet ou non. Ça, c'est Bishak, sans doute, non. C'est pas sur les Bakara, Mais ils ont fait comme ça. Bon, on prend aussi que le Tartib, maintenant, c'est pas Tartib normal pour le Coran et Majid. Mais je suis sûr que le Coran Hazrat Ali, même le Tartib, le premier ayat, première premier surat, pardon, et le deuxième surat, troisième surat, c'est comment? Bon, dans notre livre aussi, il y en a nos ulamas, notre maraji. Alors, beaucoup de ulama, ils parlent que c'est clair ça pour nous, le premier ayat, première surat, c'est quoi Et le deuxième surat, c'est quoi Troisième surat, c'est quoi Jusqu'à 114 surat. Ça, c'est dans notre livre aussi, on voit pas. Mais c'est pas aujourd'hui, on parle de ça. Mais ce qui est important pour nous, qu'il faut dire ça, il faut savoir aussi, c'est le Coran maintenant, le tartib, tartib surat. C'était pas comme ça. Mais les Tartives et surates, c'est pas vrai. Mais bon, ils sont faits comme ça. Le deuxième ayat, deuxième Surat, c'est les Surat Bakara. Et le Surat Bakara, c'est les trois, trois qualités des Surat Bakara. Ça, c'est fini. Pour le moment, on prend, c'est pas grave. Mais le Coran azatali Ali, peut-être autre chose. Bon, ça, c'est le Coran d'un nommé. Maintenant, à notre main, c'est le Coran. C'est qui a fait ça Le Coran Othmani. On dit comme ça, le Coran Othmani. C'est le Hazrat Osman Ibn Affan, c'est le troisième khalifa dans le Mashab sunnite. qui est le troisième khalifa qui a fait ce Coran-là. Mais c'est clair quand même. Mais ce n'est pas lui qui a fait le accent du Coran Majid. Oui, c'est comme ça. Djam et Quran maintenant qu'il est à notre main, oui, c'est lui. Mais le accent dans le Coran et Majid, c'est le Hazrat Ali alayhi salam, qui a fait ça. C'est Hazrat Amirul al notre premier Khalifa, et le premier Vassir Rasul khoda et le premier Imam dans notre Madhab, c'est lui qui a fait le accent dans le Coran et Majid. Avec quelqu'un d'autre, il s'appelle Aboul Aswad Adouali. Ad c'est les deux personnes là. Amirul Momin, c'est le chef. Amirul Momin, c'est le chef de ça. Qui est les deux personnes qui ont fait le harakat quran et Majid. On fait choc Khoda aussi parce que si notre quran sans accent, c'était difficile quand même pour nous. Même les lettres, c'est clair, mais on ne connaît pas. Est-ce que c'est i? Ou c'est A, ou c'est O ici. Le harikat, c'est très important. Les accents, c'est très important dans le Coran Imajid. C'est pour cela on dit on ne peut pas laisser Amirul Moumenin, parce que même le Coran Imajid, c'est Amirul Moumenin qui a fait ça. Amirul Moumenin aussi, il a vu, c'est très important. Après, va sur le c'est le jam et le Coran Imajid. Il faut garder bien le Coran Imajid. Regardez-vous ils sont occupés. Pour le sacrifice mais Amirul Moumin, il a resté à la maison pour réunir le Coran et le pour garder bien le Coran et le parce que ces paroles de Dieu, peut-être s'est perdu les ayats, peut-être s'est oublié les ayats, mais Amirul Moumin, tout ça pendant six mois, il a fait ça dans sa maison. Ça, c'est obligation de Amirul Moumin Hazat Ali. Al la reste, inshallah بغل بسم الله الرحمن الرحيم